Hello la Pokéfamily, j'espère que vous allez bien. Comme je vous le disais dans le petit short posté ce matin, on a les nouvelles Pokébox qui sont sorties et on va regarder tout de suite ce qu'elles contiennent. Allez. Je sens que ça va pas être facile comme d'habitude. Donc normalement la sortie prévue de ces items c'est demain, avec également le coffret dresseur d'élite de mémoire. Et on va retrouver dedans. Donc on a la carte promo de Serpentot, que je trouve très sympa, moi j'aime bien ce Pokémon en fait. Voilà, temps passé, très stylé, ça brille, il y a plein d'étoiles. Hop. On retrouve également donc le code promo, hop, c'est pour vous. Ainsi que un booster, deux boosters mascarade crépusculaire, force temporelle, faille paradoxe. Et bah écoutez, c'est des séries qui me tentent bien. Allez, on s'ouvre pour commencer et sans plus tarder, ce premier booster mascarade crépusculaire. Ce sera mon premier booster de cette série. J'espère que c'est sympa. Je me suis pas trop. Enfin, j'ai pas trop été regarder ce que ça donnait. J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas un engouement de folie sur cette nouvelle série. Bon, on va faire une première opinion tout de suite. Hop. C'est parti, let's go. Énergie. Gerbeclat. Bacabou. Non, Badabouin. Voilà. Igolta. Quenton. Mignon ce petit Quenton. Un super dauphin, eh oui, c'est bien ça. Un nigirigon, une pomme d'amour, un petit médiéna, un poisson roi. Ah, c'est sympa ça de le retrouver celui-là, j'aime bien. Et on aura tout de suite notre première super carte, regardez-moi ça. Une épine de fer ex. Trop stylé. Yes. C'est bon ça. C'est la carte. Alors attendez, c'est la carte. Hein, si ça peut faire focus. Non, ça veut pas. Ça veut pas. Ça veut 196 sur 167. Ça veut dire qu'il y a quand même plus de 30 secrets dans cette série. C'est une grosse série, encore une fois. Voilà notre premier hit. Deuxième booster. Souci avec mon focus, je suis désolé. Voilà, c'est bon. Il veut pas se faire tout seul. Le épine de fer, si je me trompe pas, hein, on est sur. C'est du Tyranocif. Hein. C'est du Tyranocif, mais version temps futur. Je vous la remontrerai à la fin de la vidéo. Hop. Deuxième booster, mascarade crépusculaire. On sait que dans cette série, donc le. Pardon, le. Illustration de c'est Ogerpon qui est effectivement le Pokémon phare de cette série. Allez, c'est parti, j'ai un mec là. Mélancolux. Paul Chat Guest, je sais pas comment le dire. Quenton, encore une fois. Hôte de fer. Lieu de fête. Eh bien, ça le fait. Florges. Gorythmique. J'adore. Galégon. Et une. Reverse de Simiabras qui est très sympa, une holo pardon, qui est très sympa, très très sympa ce petit Simiabras là, qui se balade de branche en branche avec la lune en fond, là ça rend trop trop bien, je sais pas si vous voyez bien, en tout cas c'est stylé. Voilà pour ce deuxième booster, mascarade crépusculaire, il nous reste donc force temporelle, c'est parti. On ouvrira l'autre Pokébox un autre jour. Et comme ça, ça vous donne un petit avant-goût de ce que ça contient. On voit, c'est plutôt pas mal. Hop, pour le petit code. Et, sans plus tarder, une énergie. Un Larvibule. Matoufeu. À flamme à noir. Roue de fer. Pauvre copain copain. Scolocendre. Métallos. Médiéna. Aimer le métal en reverse, en holo. Dis donc, j'ai du mal aujourd'hui. Allez, dernier booster de cette ouverture. Et ça sera le Fight Paradox. Bon, pour l'instant, on a eu un hit, plus la carte promo.
Est-ce qu'on peut avoir autre chose? Ça serait sympa. Énergie. Flotte à joue. Cricknot. Grain dur. Kung Fuin. Noisier. Pommeau maudit. Candine. Okuba. Pitrouille. Et on aura un dinglu. C'est pas dingue. Alors, je remonte la carte sympa de cette ouverture. Donc on a eu ce Tyranocif ou épine de fer ex en temps futur. Voilà, bah écoutez, plutôt stylé. Allez, ciao ciao les amis, à bientôt.